C'est Megafanta, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Call of Duty World War 2 pour le passage au Prestige 8. Ouh, ça avance quand même bien. Bon, sans surprise, entre le Prestige 7 et le Prestige 8, il s'est passé peu de temps parce que voilà, on a eu masse double XP, donc c'était quand même plutôt rapide. Ça va être le dernier prestige d'ailleurs, moment émouvant, qui va être passé durant l'événement de la résistance qui se termine juste demain. Donc là, c'était un poil de cul près, comme on le dit. Donc voilà, le petit prestige 8 qui va être atteint. Alors bon, pour résumer du coup ce qui s'est passé durant le prestige 7. Quoi dire, quoi dire, quoi dire? Bah, prestige du coup de la montée des armes. Alors si je dis pas de conneries, c'est pendant le prestige 7 du coup que j'ai... oui, effectivement, c'est pendant le prestige 7 que j'ai pu monter, comme vous avez pu le voir, les petits fusils d'assaut en diamant, même du coup l'intégralité d'un des fusils d'assaut, mais ça également vous avez pu le voir. Donc ça c'est quand même une très bonne avancée, mais également les fusils mitrailleurs qui ont été tous montés en diamant, bon sauf la GPMG, elle est un peu à part, voilà, arme DLC bien entendu. Donc rien que ça déjà c'est une grosse avancée, tant d'armes qui ont été montées en or, mais justement et surtout en diamant, donc ça c'est cool, on va dire un prestige du coup de la montée des armes. Bon, à côté de ça malheureusement les pistolets, les mitraillettes et lanceurs ça a pas trop avancé, mais va falloir s'y intéresser là justement pour ce petit prestige 8. Après du coup un gros fait majeur, ça fait plaisir, mais ça normalement du coup vous avez déjà pu le voir le gameplay, mais du coup j'ai réalisé ma toute première médaille vicieux, donc 2 semaines après la V2 Rocket, donc ça, ça fait plaisir. Encore une fois, bon, je vais pas trop expliquer le gameplay parce que normalement je le ferai justement dans la vidéo appropriée pour ce gameplay là, mais sans le vouloir, encore une fois, je faisais tranquillement mes petits ordres et finalement ça arrivait comme ça, pouf, la médaille vicieux. Donc ça fait quand même extrêmement plaisir. C'est bon, maintenant tout ce qu'il y avait à faire en termes de siège sur World War 2 ça accomplit. Si j'en fais d'autres, ce sera du bonus, mais bon, l'objectif c'est de faire au moins une V2 Rocket, une médaille vicieux. Maintenant que c'est fait, c'est tranquille, on est vraiment bien. Et ça, c'est hyper cool. Et à part ça, sinon, bah rien d'autre hein, de spécial durant le Prestige 7. Mais c'est déjà quand même très bien tout ce qui s'est passé. Donc c'est parfait, on va essayer de continuer dans cette lancée pour justement le Prestige 8 avec surtout, j'espère, beaucoup d'armes montées. Pour les divisions, comme je vous montre rapidement, mon Prestige 4 niveau max toujours pour la division infanterie. Pareil pour aéroportée, montagne. Prestige 4, mais pas niveau max. Résistance, je crois que je suis au niveau max maintenant. Je vais regarder ça avec vous parce que je suis pas sûr. J'étais un poil. Donc peut-être que c'est... Si, c'est bon. La division résistance Prestige 4 niveau max également. Donc ça fait chouïa. Et du coup, bon, il reste expéditionnaire qui est toujours au prestige, prestige 1. Et blindé qui est toujours au prestige 3. Cela, prestige 2 plutôt. Cela, il faudra les monter. Mais on attendra. Ça pourra patienter de toute façon. Donc voilà. Général Davis, j'arrive, j'ai un prestige 8 à passer. Est-ce qu'on va avoir plus de 2 avions cette fois-ci? Quand même, c'est le prestige 8. Prestige 8, waouh, très stylé en bleu comme ça, ma couleur préférée. Il est hyper stylé, ce petit prestige 8. Ça fait bien plaisir. Vous vous rendez compte, après, il reste déjà plus que 2 prestiges. On arrivera au prestige master. Ça va aller vite, même si là, je pense que ça va être une période creuse où il va plus y avoir double XP, vu qu'on va arriver à la fin des dans la résistance. On va avoir une petite période creuse, là, sûrement. Hein. Donc, prestige 8 sera pas forcément le plus rapide, je pense, ou que je passerai. Mais malgré ça, voilà, on avance très bien. Donc, c'est parti. Hâte de voir la carte de visite qu'on va débloquer, hein, encore une fois. Ah, oh, il est vraiment magnifique, ouais. Il n'y a rien à dire, il est vraiment magnifique. Waouh. Waouh, le petit prestige 8. Après, on le verra moins bien quand il sera petit, mais ça, c'est un détail après. Hein. C'est un petit détail, ma foi. Ma foi. Je pense savoir d'ailleurs ce que je vais débloquer du coup pour ce prestige 8. J'ai une petite idée. C'est pas sûr à 100%, mais j'ai ma petite idée. Oh, on a les camions qui tirent! C'est nouveau ça! Oh, trop stylé! Ah, mais non! Il y a l'événement. Oh, bah, je vais le faire ça, l'événement, parce que j'avais jamais pu le présenter en vidéo. Pique pas ma tourelle, non, yes, non, j'ai eu la tourelle. Là, en fait, il faut détruire les avions. Je vous explique rapidement, ça devait pas arriver là, mais bon, c'est arrivé, bah, tant mieux d'ailleurs que c'est arrivé. On doit détruire des avions et récupérer des colis pour avoir des crédits d'armurerie, voilà. Ça, c'est déjà implanté depuis, allez, 2-3 semaines, hein. Mais bon, c'est tous les 45 minutes, donc ça tombe pas forcément quand je fais une vidéo, quoi. Hein. Et là, c'est tombé depuis au bon moment. Putain, au début, j'ai cru que les canons, ils tiraient parce que j'avais passé le prestige, mais non, pas du tout, pas du tout. Par contre, j'espère que les autres vont récupérer les colis. Moi, je suis plus occupé là à détruire les petits avions. Il y a 3 avions là d'ailleurs qui viennent de spawn. Ils sont où?
Là, vous voyez, les colis qui sont largués, il faut les protéger des avions. Sont les avions là par contre? Ok, ils sont là. C'est vrai que j'ai pas la meilleure tourelle parce que celle-là, elle est un peu de dos face aux avions. Voilà. Bon, tu gagnes pas beaucoup de crédit, hein, ça tombe souvent, on descend, mais c'est toujours ça. Et c'est drôle, ouais, c'est fun. Détruire les petits avions comme ça. Crédits qui sont, je crois, pour tous les personnes, même ceux qui participent pas. Hein. Enfin, ça, je suis pas sûr après. Moi, de toute façon, dès qu'il y a cet événement, à chaque fois, j'y participe. Donc, je sais pas si gagne quelque chose sans vraiment y participer, mais voilà. Des petits colis. 7 colis récupérés, c'est pas mal. Ok. Bon, faut aller récupérer du coup les colis là. Rapidos, rapidos. Hop, ça c'est bon, c'est récupéré. On a le colis en haut, voilà, c'est récupéré. C'est bon, ça le récupère. Sécurisation de la caisse. Voilà. Il en reste un encore de colis là-bas. Bah, il y en a même un ici aussi. Comme ça, on va voir combien on va débloquer. Ah non, 9 colis restants, il y en a encore plein. Il y en a encore plein. Il y a des avions aussi, sûrement. Bon, là, je suis plus occupé du coup à récupérer les colis. C'était inattendu. On allait voir du coup ce qu'on avait débloqué, mais là, non, non, non. Événement Flag Gun qui intervient, quoi. Hein. Enfin, c'est Flag Gun du coup en anglais. Je sais plus comment ça s'appelle en français cet événement. Il reste 4 colis, je sais pas où ils sont. Où êtes-vous les colis? Tout le monde qui cherche, tu vois, ça donne de l'animation dans le QG, il y a tout le monde qui cherche les colis. 3 colis encore, 2 colis, je sais pas où ils ont atterri. Ah, là il y en a un, là il y en a un. Mis sur le toit, comment on va le récupérer? Ah mais il a dérivé je crois. Ah mais là on va avoir... Oh, je crois que c'est un record, j'ai mis autant de crédits d'armes, 180, eh bah ma foi. Ok, bon bah ça c'était le petit temps prévu, mais c'était sympa. Bah on va voir du coup ce qu'on a débloqué. Bon, le casque, on va commencer le petit casque comme d'habitude. Le fameux casque qui coûte toujours le même, mais c'est pas grave, on le prend quand même. Alors où es-tu? Du coup le prestige 8, bah t'es là. Voilà, bien stylé. Putain, on dirait un œil avec le gros joyau rouge là au milieu. C'est quand même bien bien stylé ce petit casque. Ok, ensuite, la carte de visite. Alors, quelle évolution? Celle du prestige 7 était pas ultra stylée en comparaison des autres. Donc là, j'espère ne pas être déçu par celle du Prestige 8. What? C'est quoi cette carte de visite? Elle sort d'où celle-là? Ah, tier d'in, Volkstorm Giver. Ok, très bien. Merci. Merci, merci. Ah oui, putain, tu vois encore l'évolution là avec les avec les polygones. Ouais, bon, elle est pas non plus... Ah, ma préférée pour l'instant, ça reste vraiment celle du Prestige 6. Celle du Prestige 5 aussi est ultra stylée. Mais on voit encore voilà, l'évolution, hein. Après, on arrivera avec le Prestige 9 et 10, on ne sait pas. Mais on voit toujours l'évolution, c'est ultra cool ces petites cartes. Voilà. Et du coup, au niveau du truc permanent, j'ai quand même checké rapidement, mais voilà, comme je l'ai dit, j'ai ma petite idée. En termes d'armes, on est d'accord, de toute façon, il n'y a pas d'armes non à débloquer. Pas du tout. STG niveau 15, non, non, non. La BRA niveau 14, non, non, non. Fusil à pompe 19, non, non, non. Pistolet, oui, il y a pistolet automatique, mais ça peut attendre, donc pour l'instant, non, non, non. Et à côté de ça, bon, les save points, oh, ça m'intéresse pas plus que ça. De toute façon, les save points, parce que c'est pas le truc le plus utile sur World War 2. Moi, j'étais parti sur un entraînement de base. L'entraînement de base, du coup, c'est. Ta-ta-ta-ta, comment il s'appelle? C'est Dent de Scie. Je suis même pas sûr que c'est celui-là, mais je crois que c'est celui-ci. Qui permet de faire une classe vraiment axée sur corps à corps. Et vu que je vais m'attaquer à la montée de la pelle, je pense que ça pourrait être une bonne idée de débloquer Dante. Mais je vais quand même aller en partie privée pour vérifier si c'est bien Dante, parce que je suis pas sûr du tout. Et ce serait con quand même de débloquer un truc que tu ne veux pas. C'est pour ça qu'ils auraient dû mettre quand même une description. Hein. Parce que du coup, si tu connais pas le nom, tu te fais avoir, quoi. Tu sais pas forcément si c'est ça. Donc est-ce que c'est bien Dante? Profiter d'une arme de corps à corps en tant qu'arme principale, voilà, c'est bien ça. Donc c'est bien Dante. J'étais presque sûr, mais j'étais pas sûr à 100%, donc valait mieux vérifier. Donc on va débloquer ça, et du coup, bah, on va se faire un gameplay au corps à corps aujourd'hui, mine de rien. Hein. Alors, dans quel mode on va aller, ça, par contre, je sais pas. Dans de si, oui. Voilà, donc on se fera un petit gameplay, bah, à la pelle, hein. Ah bah non, du coup, je peux pas me faire... Ah, mais c'est con de ma part, ça. Ah oui, mais j'avais pas pensé à ça. Ah oui, donc j'ai débloqué dans de si, mais je ne pouvais pas jouer. Je ne pouvais pas jouer à la pelle. Bah on jouera quand même avec une arme de corps à corps, mais on jouera pas à la pelle. On prendra le piolet par exemple, oui, parce que j'avais débloqué la variante fracasseur dans l'opening là. Ah mais j'ai machine à tuer là aussi. Hein. On se prendra un petit piolet, je pense, du coup. Hein. Ça a tout capoté mon plan. Mais je suis con en même temps, putain, mais je suis con, fallait y penser que la pelle j'avais pas non plus à débloquer. Ouais bon du coup. Surtout attends, Dante, ça se débloque avant ou après la pelle?
J'espère que ça se débloque après, sinon je me suis encore plus édoué. Bon, c'est pas grave, en tout cas, gameplay au piolet, aujourd'hui. Corps à corps, hein, plus simplement, hein, comme ça, voilà, voilà. Du coup, on va voir au niveau des stats où nous en sommes pour ce prestige 8. Alors, on va commencer par les stats globales, donc 14 238 éliminations, 8 646 morts, 1,65 de ration, donc il n'a pas bougé, c'est toujours le même par rapport au prestige 7. Bon, je répète à chaque fois, mais je préfère le dire, le nombre d'éliminations et le nombre de morts n'est pas significatif parce que je vous le rappelle, tout ce qui est en mode guerre n'est pas compté. Hein. La seule stat qui est comptée en mode guerre, c'est le SPM. Malheureusement, c'est la stat qui devrait pas compter, hein, parce que c'est la stat qui baisse en mode guerre, de toute façon. Mais voilà, donc normalement, j'ai beaucoup plus d'éliminations, également, bah du coup, forcément, plus de morts. Mais bon, vu que c'est pas compté, on ne voit pas. Voilà, donc 290 le SPM. Merci le mode guerre, hein, qui fait descendre le SPM. Hein. Merci beaucoup. Bon, tant pis, hein, de toute façon, le SPM, c'est jamais la stat qui m'a trop intéressé. 3019 tirs dans la tête, 6 jours et 5 heures, 6 jours et 5 heures pour 8 prestiges, ça va, c'est convenable. 706 victoires, 618 défaites, on est toujours sur un ratio victoire-défaite de supérieur à 1. Par contre, j'ai l'impression que la frontière est en train de s'amincir, il faut que je fasse gaffe, faut pas que je passe en dessous de 1, hein, ratio victoire-défaite, c'est pas acceptable. On va voir ça ensemble parce que bon, j'ai pas regardé de mon côté. Bon, les petites armes du coup, niveau des fusils, bon, quand on regarde, toujours la STG à plus 10 heures, j'ai pas du tout utilisé du prestige, mais bon, ça voilà, c'est les mystères. Hein. 715, les armes DLC quand même qui sont plutôt utilisées, ça a presque rattrapé les autres armes. Hein. Donc voilà, ça c'est pour les fusils d'assaut, les mitraillettes, toujours dans un mouchoir de poste, hein, ça change pas du tout. Les fusils mitrailleurs, ça doit être à peu près pareil, oui, en mouchoir de poste, à part la GPMG, mais c'est normal vu qu'elle est en DLC. Les snipers, bah, toujours le CAR 98 le plus utilisé, après le petit Springfield, le Lee Enfield et la carabine, ça illustre bien mon top des snipers, ça d'ailleurs. Les fusils à pompe, voilà également, les pistolets, j'ai eu quand même, ouais putain, hey, SAP 9mm, j'ai quasiment plus joué qu'avec le P08, ça quand même, hein. C'est beau, ça peut être une arme DLC, mine de rien quand même. Il y a de l'utilisation. Bon, les side points, on regarde, mais on s'en fout, parce que bah, c'est uniquement les side points que tu as débloqué là de base. Les petites divisions, voilà, au niveau des statistiques, toujours quand même un poil intéressant. J'ai bien un poil intéressant de regarder ça. Donc voilà, ça, c'est pour les divisions. Ensuite, bon, les équipements mortels, bon, bah, ça c'est foutrement pas intéressant. Mais bon, quand même, 456 éliminations à grenade frag, hein, faut le remarquer. Hein. Moi qui joue peu à la grenade, c'est quand même un exploit d'avoir autant de kills, je pense. C'est même sûr. Mode de jeu, c'est la mêlée générale, du coup, qui est le meilleur mode, mais pas forcément le plus joué. On va regarder ça, de toute façon, en comparaison du mode guerre. Mais je pense quand même que j'ai plus joué en mode guerre, parce que bah, déjà, les parties de mode guerre durent plus longtemps. Donc, ce serait logique. 397 par... Oui, effectivement, j'ai quand même plus joué en mode guerre qu'en mêlée générale. Ça illustre bien, tu vois, le fait que, bon, j'ai tel nombre d'éliminations, mais j'en ai... Bah, 9... Ah, bah, on peut voir le nombre d'éliminations, justement. J'aurais 9032 éliminations supplémentaires, si ce serait compté. Putain, c'est dommage, hein. Ça me ferait du coup, ça me ferait combien de... Ah, ça me ferait plus de 20 000 éliminations, quoi. Hein. Pourquoi vous les comptez pas, c'est sadique, quoi. Hein. Ah oui, putain, quand même, hein, ça fait pas mal. Hein. Du coup, mêlée générale, voilà, guerre qui sont les deux modes que je joue le plus. Un peu d'MME à côté également. Ça ne change pas. Voilà, donc ça, c'était pour les modes de jeu. Et les tactiques, on s'en fout, je les utilise pas. Donc 1,14 de ratio victoire-défaite, du coup. 30, qui est mon meilleur ratio. 31, voilà ma meilleure série des nations, bien évidemment, dans le gameplay où j'ai réalisé ma médaille vicieux. Enfin, j'ai cassé la malédiction de la série de 29. Yes! Yes! Donc après 46, le plus grand nombre des nations, ça montre bien que je joue que en mêlée générale et en mode guerre, vu qu'en mode guerre, bah, ça compte pas les kills. Voilà, voilà. Et bon, le temps de jeu, comme je vous l'ai dit, 6 jours et 5 heures. Voilà, bah, je crois que du coup, j'ai fait le tour. On va pouvoir du coup passer au gameplay. Alors, je sais pas du tout, effectivement, dans quel mode on va aller... Non, j'ai aucune idée dans quel mode on va aller. On était allé en point stratégique hein, la dernière fois. Oui, c'était sur Occupation d'ailleurs. On avait fait déjà de la démolition. Pourquoi pas de l'élimination confirmée? Alors, on sera au corps à corps, donc ça va être plutôt ardu. Je sens même que ça va être plutôt plutôt chaud. Mais ouais, j'irais bien en élimination confirmée du coup pour ce gameplay. Ça pourrait être plutôt sympa. Donc, c'est ce qu'on va faire. Couteau tranché, comme ça on aura un peu des deux. Ce sera plutôt pas mal. Donc voilà, moi je vais créer mes classes de mon côté tranquillement. Et dès que ces choses faites, on se retrouve pour le petit gameplay en élimination confirmée. Uniquement en corps à corps. Ouloulou, ça va chauffer. A tout de suite. Ma foi, c'était plutôt compliqué hein, de trouver cette partie d'élimination confirmée. J'ai même dû un
peu jouer en fin de partie là, sinon bah, ça aurait été la galère. Mais j'ai pas passé niveau, tout va bien. Je suis un poil par contre regardé de passer niveau 2. Mais on va quand même dire que c'est la première partie du prestige C8, hein. Hop 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 hop, on va pas tergiverser. Et ça va être sur Flak Tower, excellent. Comme ça là pour jouer au corps à corps, on est normalement plutôt bien. Ça devrait le faire, hein. Et en plus, bon, les mecs là étaient plutôt mauvais, j'ai remarqué, hein, dans cet taquet. On a peut-être moyen de faire des bons trucs. Bon, après, on est au corps à corps, et surtout pour le fun, hein. C'est surtout pour le fun, carrément, parce que bon, on va pas non plus faire... Allez, on va sortir la V2 roquette, là. Ça va pas rester déconné, moi, je vous le dis, hein. Oh là 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 là. Allez, donc, bon, je prends lequel, là. Allez, on va prendre le piolet, pour commencer. Piolet que j'avais obtenu, du coup, dans le dernier opening, et qui est vraiment très stylé, d'ailleurs, hein. Très très stylé. C'est cool parce que j'ai l'impression que tu vois les armes DLC, leur variante épique, vu que de toute façon ils en ont qu'une, elles sont pas trop abîmées, hein, ça va tu vois. Elles sont plutôt clean. Heureusement parce que c'est vrai qu'il y en a qu'une, donc ça aurait été con quand même si la seule variante serait abîmée. Mais vraiment très très con. On est ok, il s'est fait pomper. Non c'est pas passé. J'ai même pas envie d'aller. Bah non, ça sert à rien de toute façon d'aller au... face à face comme ça, personne ici. Oh ok. What? On a eu le mec de derrière quoi, mais non, c'est con. Par contre, je vais me permettre d'utiliser un peu mes secondaires, donc mes petits revolvers aussi. Hein. C'est pas comme si on était dans MG avec tous les armes, là, je suis libre de mes actes. Oh là là, mais j'enchaîne au couteau de lancer là. Pouf, 3 kills, 3 couteaux de lancer. Mais de toute façon, le couteau de lancer sur le jeu, il passe tellement crème. Et on passe niveau 2, voilà, ça c'est fait, c'est nickel. Par contre, faut aller la chercher, la victoire, là. On veut la victoire pour la première partie du Prestige 8. Ce sera de bon augure pour la suite. Ce sera de très bon augure. Pour l'instant, c'est vrai que j'ai même pas encore tué un seul mec au corps à corps, du coup. Hein. Toi, première cible. Voilà, hop, enfin, il était temps. Hein. Il a fallu attendre qu'il soit de dos pour le tuer, quoi. Mais c'est passé, c'est bon. Hein. Premier kill au corps à corps, quand même. Hein. Merde, il était derrière. Je me disais aussi, vu où étaient mes alliés, que... j'étais peut-être un peu dans le spawn ennemi. Effectivement, c'était plus le cas, alors. Hein. Putain, j'allais sortir mon revolver, j'ai pas eu le temps. Mais on rencontre personne au corps à corps, là, c'est horrible. Comment veux-tu que je les tue? Ils sont tous à distance à chaque fois. Oh putain, et lui, il était dans le coin. Attends. Putain, il me rush en plus. Oh là 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 là. Elle est foireuse, cette partie. Ouais, je fais du 4-5. Non, mais il me rush. Mais vas-y, mais je viens me spawner. C'est le même qui me tue. Ok, bon, ouais. On est sur Flak Tower, mais je rencontre personne au corps à corps, c'est quand même un peu chaud. Enfin, putain. Oh non, mais... Oi, 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 oi. C'est quand même la première fois, je admets, c'est la première fois que je joue avec une arme de corps à corps en dehors de la mêlée générale. Enfin, full corps à corps, en tout cas. Putain, c'est compliqué, hein. Ça se voit que c'est compliqué. Déjà, quand mêlée générale, c'était pas forcément simple, mais là, c'est encore plus compliqué, hein. Waouh. En plus, on se fait démonter, on est dans l'équipe perdante. Ah, oui, mais là, on se fait. C'est même plus se faire démonter à ce niveau-là d'ailleurs. Hein. Oi, oi, oi. Oh putain, mais regardez, il y a 29. Oh là 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 là. Pourquoi je suis encore tombé dans l'équipe de noob? Je peux même pas me défendre, je suis les armes de corps à corps là. Tiens, dégage-toi. Oh putain, la grenade! Oh le pute! Oh la pute! Allez, on va prendre le couteau tranché. Putain, genre, c'est comme s'il avait martyr quoi. Les plaques, les plaques! Oh, puis il m'a tout volé. Bon, c'était à lui, vu que c'était lui qui avait fait kill, mais je m'en fous. T'as 35 à 22, mais non, mais des games comme ça devrait pas exister, hein. Honnêtement, dégage-toi. Ça devrait vraiment pas exister. Si je finis en positif, je pense que c'est un putain d'exploit, parce que vu comment la game est désavantageuse, je suis aux armes de corps à corps et ils mettent en plus l'équipe qui perd avec moi. Eh ben, vas-y, quoi. Oh, le commando! Ce commando, ah, j'ai même pas envie d'aller rusher là, j'en suis sûr qu'il spawn là. Oui, c'est sûr, de toute façon, c'est sûr. Donc il y a sûrement un mec qui va venir, non? Ah bah déjà, par là, on a des petites plaques, des plaques nettes. Oh la grenade, ok, il est au-dessus, je l'ai vu. Oh mais il est sympa, tiens, il est venu vers nous. Il y en a d'autres là, vas-y, je vais attendre. Hop là, il y en a un en haut aussi. Hop là, et bah voilà, c'est bon, ça enchaîne. Ça enchaîne, on va se poser la petite bombazone direct, comme ça je pourrais peut-être débloquer le barrage d'artillerie. Bon genre on va le placer, Oh non putain j'ai... Ah je l'ai pas eu, il est rentré. Bon je me suis fait douiller là par contre. Je vais essayer d'assurer hein, pour avoir le barrage d'artillerie. La plaque. Non.
Vas-y, on va essayer de le prendre par derrière. En mode filou. Filou! Ah, mais j'ai. Putain, j'ai plus de. Ok, bah, je me suis douillé. Oh bah! Non, le barrage d'artillerie ennemi! Oh la poisse! Donc, je me suis fait voler mes trucs et je me prends le barrage d'artillerie. Attends, on rattrape en plus là. Hein. Je savais pas qu'il y a moyen de gagner, mais on sait jamais. Reviens là, toi, par contre. Il m'a pas vu. Oh là 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 là, les commandos! On a beau être lent avec les armes de corps à corps, faut quand même avouer qu'on met des sales commandos. Heureusement. Long shot. Non, c'est pas passé. On essaie de le rush ou pas? Ouais, bah, voilà, ça c'est fait. Putain, mais j'ai fait plus de coups de kills au couteau de lancer qu'avec le couteau pour l'instant. Hein. Ah non, ça c'était un allié. Ah, je suis violent envers tout le monde maintenant, je m'en fous. Les alliés, les ennemis, je les cut tous. Y'a pas de respect. On va aller, allez, on va aller dans le spawn, je suis un fou. Je suis un fou, on va les rusher. Ça va mal terminer ça encore. Ok, on a un mec en haut. On l'a détecté lui. Il nous a pas vu, il nous a pas entendu. Oh, oh là là, j'étais carrément pas dessus, je l'ai tué. Oh. Mais mec, c'est trop violent les commandos qu'on met. Hein. C'est tellement violent. Non mais sérieux, le mec il avait déjà commencé à sauter, mais je l'ai quand même eu. Hein. Regarde, vite, non. Yeah. Voilà, ce qui est pratique c'est que je prends direct la plaque quand je cut. Donc comme ça, ça me fait masse points. C'est bien ça. Ok, là. Hop, 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 vite, vite, vite. Un petit kill gratuit. Allez. Hop, en plus je débloque un camouflage. Hop. Oh là, barrage d'artillerie, parfait. Bon, on va le mettre là, hein, dans leur spawn normalement. Ce qui est censé être leur spawn. Vas-y, on va gagner, hein. Bon bah zone. Ouais, sauf que en fait j'ai pas l'impression que ça va fonctionner. Hein. Yes, la bombe à zone est à toucher au moins. On va vite prendre la plaque. On peut la gagner, celle-là, on peut la gagner. Oh mais putain, j'ai raté mes deux couteaux. Non, 63, 63. Non, 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 non. Cette game va déterminer notre prestige et c'est bon. Yes. Allez, en plus 21-12, c'est pas dégueulasse comme score. Hein. On finit premier de notre équipe. En corps à corps, avec beaucoup de couteaux de lancer. Hein. Eh ben, il était plutôt bon ce gameplay finalement. Hein. Ça avait mal commencé, mais ça s'est très bien rattrapé. Non, mais j'ai le meilleur score de toute la game, full corps à corps. Eh ben, dis donc, je suis honoré. Hein. On a passé combien de niveaux là du coup au total? Au moins niveau 4, non? Niveau 5 même. Oh là 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 là. Peut-être niveau 6, mais je pense pas avec les bonus. Non, normalement ça me met direct mon niveau, même avec le bonus avant d'après partie. Donc je serai niveau 5. Et pas plus. Mais c'est déjà bien. Allez, fight! Fight, 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 fight! Allez, allez, allez! Allez, Bastos! Le mec trop violent. Oh, j'allais faire une Bastos, ils m'ont ralenti. 17 000 d'XP! Ah ouais, quand même. Pourtant, j'ai pas fait... Si, j'ai rempli un défi de camouflage, mais à part ça, non. On débloque un petit colis en plus, du coup. C'est plutôt nickel. Bah voilà, du coup. Voilà, voilà, du coup, pour cette petite vidéo. Pour ce petit passage au Prestige 8 sur Call of Duty World War 2. J'espère que ça vous a plu. Eh bah, si ça a été le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Ça me fera extrêmement plaisir. C'est la petite récompense. Et moi, je vous dis du coup, bye tout le monde. Ooh, yeah.